Bonjour et bienvenue sur cette vidéo explicative du logiciel Omayo et Connect.io. Donc nous allons maintenant réaliser l'ouverture automatique du volet du bureau, excusez-moi. Donc pour ça, je vais avoir besoin de charger le bureau en mode domotique avancé. Hop. Voilà. Donc je le charge dans Omayo. Et instantanément, comme vous pouvez le voir, j'obtiens tous les capteurs et tous les actionneurs disponibles dans le bureau détectés et en domotique avancée. Donc alors pour ouvrir le volet qui est ici, je vais donc avoir besoin d'un actionneur. Donc là, on va prendre par exemple le bouton de la télécommande. C'est toujours plus pratique d'avoir une télécommande dans une pièce pour ouvrir quelque chose. Donc le bouton de la télécommande, hop, sont représentés ici là. Donc je vais prendre par exemple le bouton 1 pour l'ouverture. Je le fais glisser. Et je vais y ajouter l'action d'ouvrir le volet. L'action d'ouvrir le volet se trouve ici. Je relie les deux, ce qui fait que quand je vais cliquer sur le bouton, le volet va s'ouvrir. On vérifie. Voilà, donc comme vous le voyez, le volet s'ouvre tant que je clique sur le bouton. Maintenant, on va améliorer un petit peu le concept et on va faire en sorte que le volet s'ouvre tant qu'il n'est pas arrivé en haut, mais toujours en appuyant sur le bouton. Donc je vais devoir garder mon bouton et mon volet. Voilà. Et pour ça, on va utiliser une balise de type RS. Donc c'est une balise en fait qui va prendre une valeur et la conserver tant qu'une autre valeur n'est pas atteinte. Hop, RS, voilà. Donc la valeur qu'elle va prendre, c'est j'appuie sur le bouton pour ouvrir. Hop. Et la valeur qui va arrêter l'autre ordre, ça va être je suis arrivé en haut. Donc pour détecter le fait qu'on est arrivé en haut, on va prendre le pourcentage d'ouverture des volets, ici de 2,34%, enfin de 23,4%. Voilà. Et on va vérifier qu'il n'est pas égal au taux d'ouverture total, qui est de 10. Donc je prends 10 comme référence et je compare à l'aide d'une balise de comparaison de type égal. Voilà. Comme ceci. Et je la relie à mon reset. Là. Voilà. Et évidemment le reset, je le relie à mes volets. Et maintenant quand j'appuie sur le bouton, mon volet s'ouvre jusqu'à temps qu'il soit complètement ouvert et l'action de l'ouverture s'arrête.